Son but, c'était vraiment d'apporter du bonheur aux gens. Une belle folie, pas toujours facile à suivre. Il est toujours en train de penser au futur. J'ai roulé ma bosse en cracheur de feu bien des années. C'est clair que c'est vraiment une partie importante de ma vie, celle d'avoir été amuseur public, mais aussi organisateur de la fête foraine de Baie-Saint-Paul, qui était un peu la prémisse du Cirque du Soleil. Monsieur Lévesque nous citait souvent en exemple comme étant cette nouvelle génération-là qui allait porter le Québec à travers le monde. Guy voyait pas de frontières. Déjà, en partant, on s'en va partout dans le monde. C'est sûr que Guy voyageait beaucoup, allait voir beaucoup de spectacles, voyait aussi dans quelle tradition le cirque était ancré. Pour moi, Guy Laliberté a réinventé le cirque pour la capacité de justement mettre ensemble une histoire et de complexifier toute la mise en scène. Ce spectacle-là a changé la vie du cirque. On contrôlait, je pense, près de 60 % de la vente de billets de spectacle à Las Vegas. Tout ça parce qu'à un moment donné, il y a eu une vision puis une idée de dire non, on va aller transformer Las Vegas. Là. Et je me souviens, il rentrait puis il regardait les gens dans les yeux. Puis il dit, moi, je suis un artiste, là, mais je suis un homme d'affaires en même temps. Puis je connais ma business, puis on va faire un succès. La métaphore que j'ai toujours utilisée, c'est qu'on est capable de faire pousser une fleur dans le désert. Et puis c'est effectivement ce qui est arrivé avec Mystère. Il a donné le pouvoir d'espérer et de créer et d'innover chez beaucoup de gens ici au Québec. Saint-Michel, à l'époque, était le deuxième quartier le plus pauvre au Canada. Et puis on a décidé de s'installer là pareil. Puis on était un game changer pour ce quartier-là. Il y a une histoire fabuleuse d'incubateur, en fait, où pour le quartier Saint-Michel, le cirque, en fait, a juste fait des bébés. Moi, ça, c'est les enfants du cirque. C'est un beau moment touchant de pouvoir les supporter. Naturellement, pour le Québec, le cirque, c'est extraordinaire. Ça fait parler de nous à travers la planète. Guy Laliberté et le Cirque du Soleil ont fait la démonstration que la culture, c'est un milieu riche et un milieu qui produit de la richesse. Guy veut continuer à supporter le talent et la relève créative dans l'Homme rouge. De travailler avec cette nouvelle génération de jeunes-là, je vis encore des super belles aventures créatives. J'ai eu la chance de travailler avec toi pendant toutes ces années-là et de continuer à le faire. Et j'ai appris beaucoup. T'as du guts, t'as de la vision, t'as du cœur. Et on sait qu'avec toi, tu vas toujours continuer à nous surprendre.